douce nuit, blanche nuit. Parce que moi je le connais bien. maintenant il faut que tu te présentes ce que tu as fait avant et puis on va parler de celui-là aussi. J'allais dire, toi t'es que réalisateur, mais en fait non. Toi t'as fait l'inverse en fait par rapport à eux. Toi tu es réalisateur et on me demande pour être comédien, c'est parce que c'est ce physique de rêve. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors, il y en a eu d'autres avant, celui-là, on va parler de juste un peu du parcours d'avant. C'est le deuxième produit. C'est-à-dire avec une équipe, une vraie, des vrais professionnels, blablabla. Bla, bla. Et avant, parce que les autres, les réels, ils ne peuvent plus parler de ceux d'avant, c'était une autre vie, Non, non, j'en parle encore, mais il y en a qui faut savoir mettre de côté. Mais après, c'est normal, pour devenir, on apprend, voilà, on a besoin de... comment je considère que moi, que la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire, j'en ai fait pas mal. Tout d'abord, tu as commencé avec la théorie, non? Je me suis inscrit à la fac en pensant que j'allais apprendre à faire du cinéma et j'ai appris à critiquer ou à faire des recherches en cinéma. J'ai appris qu'on pouvait être chercheur en cinéma. Donc après la fac, t'as fait du film, quoi. Même pas pendant. Voilà. Et puis faire un deux trucs. Bien vraiment, il y en a un qui marche et puis voilà. Donc on commence à compter à partir de celui-là. On peut absolument. Monsieur Propre. Voilà, Monsieur Propre que on peut retrouver sur internet. Oui. T'as fait pas mal parler de toi parce que ça fait beaucoup de festivals, Canal, tout ça. Ouais, aussi, la censure Cato, mais non, c'est bien, c'est fait pour. On le retrouve c'est sur internet ou... Ouais, sur mon site, stéphanebouquet.com. Dailymotion, YouTube, Vimeo, voilà. Donc voilà, Monsieur Propre, après deux petits. Deux, trois autres qui ont marché, mais voilà, après c'est gauche-droite, ouais, film en 35 mm. Parce que tu es réalisateur et boxeur. Oui. J'ai rien dit. Cool. Non, mais... T'as vu Tu peux. Donc il y a eu gauche-droite, tu peux en parler un peu quoi. Alors gauche-droite, oui, petit film de 4 minutes 30, parce que c'est rare que les réels fassent des films. Je trouve, après, c'est... Moi j'ai fait que ça, enfin, sauf celui-là, mais voilà. Là c'est mon long-métrage. Hein. Non, j'ai fait beaucoup de films de moins de 4 minutes, et en fait, gauche-droite, bah voilà, la fin de carrière de Degan Box... J'ai réussi à faire, je pense, un film original sur la boxe, ce qui n'était pas facile. Tu avais deux super voix off. Ouais, j'avais la voix de Stallone, Alain Dorval et Philippe Nain. Oh là là. Et donc après, celui-là. Oui. Et d'ailleurs, avant de poser les questions, est-ce que tu en avais des questions à poser à Stéphane sur ce film? Ils sont timides, ce soir. Ouais, moi, toujours, ils sont tous là. En même temps, c'est limpide, il n'y a rien de question. Entre le moment, juste parce que moi je connais un peu l'histoire, mais entre le moment de l'idée et ce soir, il s'est passé quoi? Des années. Voilà. Ouais. Je l'avais écrit pendant que je faisais gauche-droite, donc c'était en 2006, et je l'ai tourné en 2012. Jusqu'au jour où, comme je suis obligé de tourner en décembre, en tout cas autour de Noël, parce que j'ai besoin des décors et que j'ai pas les moyens d'en rajouter, ça fait des échéances. On a laissé passer un an, deux ans, puis la troisième année, j'ai fait bon. Et là, t'es prêt pour Noël prochain, là. C'est ça, voilà. Je suis un peu en avance, même. On va parler de la forme. Vas-y. Ça va bien, en ce moment. Je connais une émission que tu devrais faire. Ouais. Je crois que ça s'arrête. juste le fond. Parce que ce qui est assez drôle, c'est que t'as vraiment des gueules. D'ailleurs, c'est que pas mal de gens connus, moi, je les connais un peu moins, mais il y a Joe Prestia. Joe Prestia, donc ancien champion du monde de boxe thaï, et puis irréversible, tout ça, quoi. Denis Braccini, donc le mec un peu large qui est dans Mafiosa, entre autres. Et Bruno, un petit gars qui est dans plein de trucs qu'on n'a pas encore vu, mais voilà. J'aime bien les... Et oui, ça les amusait de casser leur image, justement. Parce que ça, c'est jusqu'à la chute de Joe, il m'a dit...
quand il a vu le scénar, il m'a dit ouais, on va y aller. Bon, c'est mignon, mais c'est vrai que lui, dans tous ses films, il viole des gens. Et tu peux voler de sa part si tu veux. Voilà, je pouvais, mais ça pique. Non, mais c'est gueule, c'était un bon raccourci justement pour faire sa chute, la chute, parce qu'en gros, bon, comme je dis, ce mec dans tous ses films, il viole quelqu'un. Donc quand on le voit, on se dit ça va partir en couille. Et tout le monde pense ça jusqu'à ça cache la chute en fait. Oui, parce que je trouve que c'est encore plus fort d'avoir des vraies tronches. J'aime ça. Bien ton film. Merci. Toujours pas de questions. Ouais, mais juste, fin de prod, c'était. On l'a fini en décembre. Voilà. Et depuis, il commence à tourner un peu. Parce qu'il y a aussi, on peut en parler, il y a le droit de se vendre. Il n'y a pas eu un festival là, il n'y a pas longtemps. Il y a 15 jours. Première sélection. Prix du scénar et du public. Ça s'applaudit. Merci. Ouais, moi aussi j'écris des longs. Ouais. Et alors, t'en es où de l'écriture? Ah, bah j'écris. Ça coûte rien pour l'instant de. Bah moi en fait j'ai déjà les moyens de le faire mais j'ai pas le scénar donc c'est toujours pareil. C'est... Bah, on n'est jamais content en fait. C'est accent. Ouais. Mais bon un bon scénar, ça se travaille. Ouais. Et voilà, avec tout ça, enfin vous voyez que celui-là, mais je développe un univers un peu particulier, c'est pas évident de. C'est quoi d'ailleurs? Tu définirais comment ton univers? Bah, si je le savais, ce serait facile. Mais... Mélange des genres. J'aime bien, ouais, les trucs un peu caustiques, j'aime bien les films de petits cons, quoi. Ça, Choubray, c'est arrivé près de chez vous, ce genre de trucs, un peu. Ça, c'est quoi, ils se plaignent de poésie. Oui, mais c'est des connards, ils sont pas obligés de le défoncer. Mais si. Ils sont écolos jusqu'au bout. Là, tu viens de le finir, donc je sais que c'est un peu dur, mais il y en a d'autres en préparation des cours. Non. C'est vrai? Que le... Ça, tu veux plus faire le. Ah non, je sais pas que je veux plus, c'est que pour l'instant l'énergie, je vais pas faire du 30 minutes parce que c'est invendable, un produit. Un produit. Bon, bah, ça se produit pas. Et puis bon, autant faire 90 minutes direct. Bon, c'est clair. Je suis désolé, ouais, mais bon, même si on est dans le format imposé par les chaînes, les ciné et tout, donc il y a un moment. Mais si j'ai une bonne idée pour d'autres cours, j'en ferai avec plaisir. C'est pas de blanchir dans le sens. Je sais pas. Ouais, mais il faut un peu sortir. Mais ouais, il y aura des nez tordus et des trucs comme ça, quoi, c'est sûr. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci de la bonne continuation dans la.